Oh, 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 oh
privilège d'être dans sa maison. Ce n'est pas facile. Without you, we can't do anything. Without you, Lord Jesus Christ, we are a man and a human being. That's why every time when we meet together like this, Lord, we need you. We need also your presence. Let us feel your presence, O Lord. Every time when we're gonna follow the word of God, when, oh Lord, every time we can sing and do everything, let us feel, oh Lord, your presence. Because Brother Branham says, every time when we get in the presence of God, it's like we are living in heaven places. As Paul said also, we are gathering together in the heavenly places. That's why, Lord, we commit everyone in your hand this morning. Take control of everything, Lord Jesus Christ. Bless, O Lord, your sons, your daughters, this morning, and their, O Lord, children. If there is somebody who is sick this morning, Lord Jesus Christ, recover him in your name. Because you promised us, O Lord Jesus, that everything we can pray your Father, Lord, in your name, you will give, O Lord, it to them, to us. This morning we believe that all things we can pray in your name, Lord Jesus, will get it. Now bless us. Bless your servant behind the pulpit. Remember also, O Lord, the intercessor, and take us, O Lord, in the sky's places. When we leave this place, can we say like those from a mouse? And when, O Lord, you gonna speak through the mouth of your servant, may our eyes be opened, Lord, and say that it's him. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you this morning as I pray and surrender all things here in your hand, in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Verse 2.
je commencerai au chapitre 2, verset de chapitre 1, verset 2. Listen carefully. Écoutez attentivement. Do you get it? Hosts, those people say the time has not yet come to rebuild the house of the Lord. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Then the word of the Lord came by the hand of Haggai the prophet. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fit adresser par Haggai le prophète en ces mots. Is it a time for you yourselves to dwell in your penthouse while this house lies in ruins? Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Now therefore, thus saith the Lord of hosts. Consider your ways. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. You have sown much and harvested little. You eat, but you never have enough. You drink, but you never have your fill. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages does not to put them into a bag with oats. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Thou serve the Lord of hosts. Consider your ways. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Go up to hills and bring food and build a house that I may take pleasure in it and that I may be glorified, says the Lord. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. You looked for much, and behold, it came to little. And when you brought it home, I blew it away. Why? Declares the Lord of hosts. Because of my house that lies in ruins, while each of you busies himself with his own house. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Do you understand? Comprenez-vous la lecture? Therefore, the heavens above you have withered, the dew and the earth has withered its products. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. And I have called for a drought on the land and the hills, on the grain and the new wine, the oil on what the ground brings forth, on men and beasts and on all their labors. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur les moûts, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tous les travaux des mains.
May the Lord add the blessings to this lady. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture. Vous pouvez regagner vos chaises. Today I couldn't believe that I would be behind the pulpit. Aujourd'hui, je ne pouvais pas croire que je serais derrière la chaise. Unfortunately, Brother Joshua went to Johannesburg. Malheureusement, frère Josué est parti à Johannesburg. Yeah, he was very obliging to go to Johannesburg. Il était dans l'obligation de partir à Johannesburg. That's why today I'm behind the pulpit. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me trouve derrière la chaise. It was for me very necessary to take a rest. Ça, c'était vraiment nécessaire pour moi de me reposer un peu. Because we must start divine week. Puisque nous devons commencer la semaine divine. And with the divine week, we have to be consecrated to God in all things, and we need the food, properly food, so to help the people of God to go ahead. Puisque avec la semaine divine, nous devons vraiment avoir assez reposé et un temps de consécration à Dieu afin d'avoir la nourriture nécessaire pour aider le peuple de Dieu. We get 3 days of prayer. Nous aurons 3 jours de prière. And seeking the Holy Ghost. En cherchant le Saint-Esprit. You must be sure if you got the Holy Ghost or not. Vous devez être sûr si vous avez vraiment le Saint-Esprit ou si vous ne l'avez pas. Whether you've got something since you've believed the word of God. Si vous avez eu quelque chose depuis que vous avez cru la parole de Dieu. Or not. Ou pas encore. We must experience something. Nous devons expérimenter quelque chose. It's up on you and on me. Ça, cela dépend de toi et de moi. Now this morning. Et ce matin. I'll just speak a little bit. Je vais parler tout du peu. My topic is salt to reap. Mon thème est salt to reap. Ensemencer pour récolter. God bless you. Que Dieu vous bénisse. You must, everyone, tout know that chacun, we are sower. Tout un chacun de nous doit savoir que nous sommes des semeurs. Yes, sowers everywhere. Nous, nous sommes des semeurs partout où nous nous réunissons. We must sow something so to reap. Vous devez semer quelque chose afin de récolter. God bless you. Que Dieu vous bénisse. That's why this morning. Et c'est pourquoi ce matin. I'd like to help you if you need really to be helped. J'aimerais vous aider si réellement vous avez besoin d'être aidé. If you wanna be helped, I'll help you. Si vous avez réellement besoin d'aide, je That's why pay attention. C'est pourquoi prêtez votre attention. I'll do my best as I'm doing every time. Je m'efforcerai de faire le meilleur de moi-même comme toujours. To bring you so to understand something deep. Pour vous amener à comprendre quelque chose de très profond. You must know that you are a sower. Tu dois savoir que tu es un semeur. You are a sower. Tu es un semeur. Everywhere. Partout où tu te trouveras. Home. Que ce soit la maison. I don't know where you are working. Je ne sais pas, peut-être au travail. You must know that you are sowing. Tu dois savoir que tu es en train de semer. How can you get it? Comment tu l'auras? How can you know that you are doing it? Comment sauras-tu que tu es en train de le faire? Then I'll help you to understand. Alors moi je t'aiderai à comprendre. Let us take a book in the Bible. Il y a un livre dans la Bible que j'aimerais connaître. Let us take it. Ecclesiastes. Alors, dans le livre d'Ecclésiaste. Ok. Yeah. Ok.
Ecclésiaste 11. The first verse. Chapitre 1. En 11, verset 1. Cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. You understand? Comprenez-vous cela? God bless you. Que Dieu vous bénisse. Give a portion to seven, or seven to eight, for you know not what disaster may happen on earth. Donne-en une part à sept et même à huit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. God bless you. Que Dieu vous bénisse. If the clouds are full of rain, they empty themselves on the earth, and if a tree falls to the south or to the north, in the place where the tree falls, there it will lie. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils le répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. He who observes the wind will not sow, and he who regards the clouds will not reap. Celui qui observe le vent ne semera point, et celui qui regarde le nuage ne moissonnera point. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Now, it's very necessary to follow what I'm reading for. Maintenant, c'est très nécessaire de suivre ce que je suis en train de lire. Very important. You will understand. C'est très très important. Vous comprendrez. You know, sometimes when you are working. Vous savez, des fois quand vous travaillez. When you are doing your job. Quand vous êtes en train de faire votre travail. Sometimes you think like you are doing that for yourself. Des fois, vous pensez que vous êtes en train de le faire pour vous-même. Sometimes you think that you are doing that for your family. Et peut-être que tu penses que tu le fais pour ta famille. But today, I would like to explain you something. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer quelque chose. I wanna say that when you are working, know that you are working for God. Je voudrais te dire que quand tu travailles, sache-le, tu es en train de travailler pour Dieu. All things. You are doing. Know that you are doing them for God. Tout ce que tu es en train de faire, sache que tu les fais pour Dieu. That's why. C'est la raison pour laquelle. In the Old Testament, somebody said. Dans l'Ancien Testament, quelqu'un a dit. My house and I will work for God. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Because everything you are doing. Puisque tout ce que tu es en train de faire. In your house or outside, wherever you are, you must know that you are doing them for God. Soit-il dans ta maison ou partout où tu seras, sache-le, tu es en train de le faire pour. That's why I said you are sowing. C'est pourquoi je dis tu es un semeur. You are sowing wherever you are. Tu es en train de semer partout où tu es. If you sow a bad thing, si tu sèmes de mauvaises choses, you will reap a bad thing. Tu récolteras de mauvaises choses. When you sow a righteousness, lorsque tu sèmes la justice, you will reap again the righteousness. Tu récolteras aussi la justice. God bless you. Que Dieu vous bénisse. That's why Brother Branham says. C'est pourquoi Frère Branham dit. We have to do everything, knowing that wherever we are, God is there. Nous devons faire toutes choses, sachant que partout où nous sommes, Dieu est là également. Everything you think. Tout ce que tu penses. Everything you wanna speak.
tout ce que tu es en train de parler, everything you're gonna do, tout ce que tu feras, know that God is there. Sache que Dieu est là. And he sees everything you are doing. Et il voit tout ce que tu fais. And you will respond for that. Et tu répondras pour cela. If you are doing a good thing, si tu fais la bonne chose, you will respond for that. Tu répondras pour cela. If you are doing a bad thing, et si tu fais la mauvaise you chose, will respond for that. Tu répondras également pour cela. God bless you. Et Dieu Amen. Vous bénisse. That's why, as a Christian, c'est pourquoi étant chrétien, Brother Branham says we must be fine wherever we are. Frère Branham dit nous devons être à l'ordre partout. Yes. God bless you. Et Dieu vous bénisse. You must be fine wherever you are. Tu dois être à l'ordre partout où tu es. Because parce que everything we are doing, tout ce que nous sommes we will respond for that. Nous répondrons pour cela. We will respond for those we are doing. Nous répondrons pour nos actes. God bless you. Et Dieu vous bénisse. Now I'd like to read again a little. Mais je vais relire encore quelque part. Before going deep in what I want to speak to you this avant morning. Avant d'entrer profondément dans mon message de ce matin. Now let us again read in Isaiah. Lisons maintenant dans le livre d'Ésaïe. Isaiah 32. Ésaïe 32. I'll take the last verse. Et je prendrai le dernier verset. Ésaïe 32. It's verse 20. Now, listen. Verset 20. Happy are you who sow beside all waters, or waters, water, waters, waters. Okay. God bless you. Amen. Yeah. Happy are you who sow beside all waters, who let the feet of the ox and the donkey range free. Heureux vous qui partout semez le long des eaux et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Happy to you. Heureux sont vous who are sowing everywhere. Qui semez partout. You know, the water is the word of God. Vous savez, l'eau c'est la parole de Dieu. And Brother Branham says. Et Frère Branham dit. Every time when you see water. Partout et chaque fois que vous verrez l'eau. In the spoken word. Dans la parole parlée. It means it's the word. Ça veut dire c'est la it's parole. The word of God. C'est la parole de Dieu. Now happy to you who are sowing every time. Maintenant, errez vous qui partout semez, according to the word of God, conformément à la parole de Dieu, because parce que you will reap for that. Récolterez à partir de cela. God bless you. Que Dieu vous bénisse. You have to know that every time. Tu dois savoir when you do something, quand when, tu fais quelque chose, when you do something for God, quand tu fais quelque chose pour Dieu, it's a sow. Tu y es en train de semer. Yeah. It's a seed that you are sowing. C'est une semence que tu as semé. And you will expect something after that. Et tu vas expecter quelque chose après cela. You must expect something after that. Tu dois t'attendre à quelque chose après cela. That's why. C'est pourquoi. Brother Branham says. Frère Branham dit. If you give something for gospel. Si tu donnes quelque chose pour l'évangile. Now you must expect something after that. Tu dois t'attendre aussi à quelque chose après. And don't forget. Et n'oubliez jamais. God can't sleep and God can't fail to his promise. Dieu ne peut pas dormir ni faillir à son promesse. He is the same yesterday, today and forever. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. And he must vindicate his word wherever. Il doit confirmer sa parole partout. Even in sometimes you can say
In the Pentecostal church, God can't do anything. Des fois, vous pouvez dire dans l'église pentecôte, Dieu ne peut pas faire. But Brother Branham says, wherever they're gonna apply, do something for God, God will vindicate His word. Partout où on va appliquer ou faire quelque chose pour Dieu, Dieu confirme. Even if it's a pagan, même si c'est un païen, God will vindicate His word. Dieu confirmera toujours sa parole. That's why you can see. A pagan come before God. C'est pourquoi vous verrez un païen qui vient devant Dieu. And a Christian come before God. Et un chrétien qui s'approche aussi de. When a pagan come with the faith. Lorsqu'un païen s'approche avec la foi. And the Christian without the faith of divine healing. Et le chrétien qui s'approche sans la foi de la guérison divine. The pagan will get his divine healing. Ah, le païen recevra sa guérison divine. But the Christian will go out without anything. Pour les chrétiens, why? Sans because he came without any faith. Puisqu'il s'est approché sans la foi. That's a problem. C'est ça le problème. God bless you. Que Dieu vous bénisse. When somebody does something for God, lorsque quelqu'un fait quelque chose pour Dieu, God is obliging to do what He promised in His written word. Dieu est obligé de faire ce qu'il a promis dans sa parole écrite. Do you understand? Comprenez-vous cela? Wherever, partout, if you are maybe on your at your job, do your job, or at your job, working. Peut-être tu seras au travail en train de travailler. And when you remember about the word of God, you remind about the word of God. Et quand tu te souviens. And you do something according to the word. Et tu fais quelque chose. Brother Branham says, God is obliging to bless you. Me dit, Dieu God is obliging to vindicate. His word. Dieu est obligé de confirmer sa parole. God bless you. Et Dieu vous bénisse. Est-ce que les sœurs vous comprennent? Sisters, do you understand? Est-ce que vous comprenez? Do you really understand? Ou bien vous jouez avec les enfants? Or maybe you playing with kids? Écoutez. Listen. Partout où vous êtes. Wherever you find yourself. Dès que vous faites ce que Dieu a promis. As soon as you do what God promised, vous faites quelque chose selon sa parole. You do something according to His word. Ça veut dire Dieu du ciel. It means God of heaven. Est obligé de vous bénir ou bien d'accomplir sa parole. He's obligated to bless you or to fulfill His word. Mais là ici, now here, que vous soyez païen. Whether you are a pagan, vous soyez chrétien, whether you are a Christian, je suis du côté des saints. I'm on the sister side. Peu importe quelle, donc dans la condition que vous vous retrouvez. No matter the condition you find yourself. Dieu ne voit pas la condition, lui voit ce que vous faites. God does not look at your condition, but He sees what you do. Ce que vous faites selon la parole. What you do according to the word. Et si vous faites ce que la parole a exigé de and faire. If you do what the word exact, il est God obligé. Dieu est obligé de venir accomplir sa parole. God is obligated to come and fulfill His word. Je vais simplifier un peu la chose. I'm going to make it a bit clearer. C'est pourquoi vous voyez les Pentecôtistes. That's why you see Pentecôtistes. Les Pentecôtistes. On leur enseigne comment avoir des bénédictions. I've been taught how to get the blessings of God. Comment on leur enseigne? How are they being taught? Vous devez, on dit que c'est en donnant qu'on reçoit des bénédictions. C'est l'Écriture. Mais comme ils se sont plongés profondément en ça, because they went deep in that, Dieu est obligé de venir et accomplir sa parole. God is obligated to come and fulfill it. He cannot say they are denominational. He cannot bless them. No. Il vient. He comes. Et il accomplit sa parole. He fulfills his word. Quelque part là, Frère Branham dit. Somewhere, Brother Branham said. Dieu ne voit que sa parole quand il marche. God can only see his word. Quand il tourne, il ne voit que sa parole. When he turns around, he sees only his word. Maintenant,
Donc la parole, now the word, chaque parole a sa part. Every word has its own place. A sa part. Donc chaque parole a sa réaction. Every word has its position or reaction or effect. Je suis en train de parler sur les semeurs. Vous êtes nous tous, nous sommes des semeurs. I'm talking about the sower. Each and every one of us are sower. Vous n'avez pas compris au début, vous qui ne s'intéressez pas à l'anglais. Maybe. L'interprète là, il est en train d'interpréter. Maybe some have not understood. Chacun de nous est un semeur. Each and every one of us, we are a sower. Vous êtes tout au travail, semeur. You are at work, a sower. Vous êtes à la maison, semeur. You are at home, a sower. Écoutez ma sœur. Listen, my sister. Si vous avez une bonne influence. If you have a good influence, vous allez influencer même vos enfants. Vous êtes en train de semer. You will influence even your children because you are. Regardez les enfants qui grandissent autour de maman qui aime beaucoup Dieu. Or notice the children are growing around the mother who loves God. Vous verrez ces enfants-là grandir aussi en aimant toujours Dieu. You will notice that those children will grow up by loving God. Pourquoi? Because ils sont à côté d'une maman. Frère Madame dit, la maman c'est le premier enseignant. They are beside the mother because Brother Branham said the mother. Dès que l'enfant commence à grandir, as soon as the child starts to grow up, le premier enseignant c'est sa mère. The first teacher is the mother. Maintenant si il est autour d'une mère qui a une bonne influence. Now if those children are around the mother who's got a good influence. Donc les enfants comme ils sont autour d'elle, ils seront influencés par cette influence facilement. The children, because they are around the mother who's got a good influence. Mais si la maman est mauvaise. But if the mother is evil. Si elle parle trop. If she talks too much. Si elle connaît les choses du monde entier. If she knows everybody's business. Dès qu'il y a un problème sur tel frère, elle est au courant. As soon as there's a problem, elle va te expliquer même ce que le frère n'a pas fait. She will explain to you in details even what the brother. Comme la maman est ainsi, c'est ainsi que seront ses enfants. The mother is such, that's pourquoi? Parce que c'est l'influence qu'elle a. Because that's the influence she's got. On transmet toujours ce qu'on a. We can only give what we have. Vous voyez les sœurs. You see the sisters. Qui s'intéressent au parce que nous allons entrer dans une sanctification. Because we will enter into a sanctification. Nous allons chercher le Saint-Esprit. As we go to seek after the Holy Spirit. Nous voulons que les gens expérimentent le Saint-Esprit. We would love people to experience the Holy Spirit. Si vous aviez votre ancienne expérience. If you have your former experience. Je voudrais de la mettre d'abord de côté. I would love you to put it aside. Parce que la meilleure expérience c'est celle qui produit. Because the best experience is the one that produces. Si la vôtre ne produit pas, il n'y a pas un changement. Mettez-la d'abord de côté. If your former one does not produce, so there's no change. Commençons d'abord. And let us start. Nous sommes les semeurs. We are sowers. Que tu sois femme. Or whether you are a woman. Que tu sois homme. Or you are a man. Nous sommes des semeurs. We are sowers. Semons de bonnes semences. Sow the good pour récolter des bonnes choses. In order to harvest good. Semons patiemment. Oh, let us sow with patience. Et un jour, and one day, nous allons nous réjouir. We will be rejoicing. La souffrance que nous sommes en train de souffrir. The suffering that we are in. Matin, soir. Morning and evening. Midi, matin, soir. Oh, morning, je vous dis que cette souffrance-là, I'm telling you that sera oubliée. We will forget about it. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. C'est pourquoi nous devons travailler durement. That's why we have to labor hard. Aujourd'hui, je voulais prêcher en anglais. Today, I would love to preach in English. Mais de côté ici, c'est comme ça. So this side, it as if. Bon, alors. Ok, let's move on. Je veux d'abord que la matière entre. Nous sommes à l'école. So that people understand me again. The lesson has to get deep in. Écoutez bien. Listen carefully. C'est pourquoi la Bible dit. And that's what the Bible says. Celui qui trouve une bonne femme. The one who found a good wife. Il trouve donc le bonheur. He has found goodness and happiness. Le bonheur.
Dieu vous bénisse. Amen. Celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Whosoever found a good wife. C'est-à-dire quoi? Parce que toute sa famille sera bénie. It means the entire family will be blessed. Notice Brother Branham speaks about Susan. Susan, qui était la mère de Wesley. Susan, who is the mother of Wesley. Et elle a mis au monde 17 enfants. She gave birth to 17. Tous les 17 enfants là. All 17. Comme ils étaient autour d'une maman, un bon enseignant. Because they were around the mother with a good teaching, with a good. Tous les 17 là. All 17 were blessed. La famille de Susan a produit des serviteurs de Dieu. Susan's family produced a servant of God. John Wesley, le grand messager. A great messenger. L'a produit encore Charles Wesley. Oh, it has produced again Charles Wesley. Elle a produit encore Charles Wesley. Oh, produced Charles qui Wesley. Qui était le grand compositeur des chansons que nous chantons ici. Songwriter, all these songs. Les cantiques que nous chantons. The song that we are singing. Donc, celui qui était le grand compositeur, il a composé beaucoup de cantiques. He was a great songwriter. He la famille de Susan avait une bonne influence. Parce que ils étaient autour d'une bonne maman. Because they were around a good mother. Écoutez mes enfants, les enfants qui sont. Listen, my children. Si vous avez une maman, if you have a mother, qui parle toujours à mal des autres, who always despising others, parce que comme on a beaucoup parlé, si on parlait à mal, maintenant elles ont changé la technique. Because we've spoken a lot about speaking bad about others. Maintenant elles changent le langage. Now they change language. Qu'est-ce qui se passe? What is happening now? Maintenant elles connaissent seulement la situation de tout et chacun dans les. Now they only know everybody's business. Elle est là, elle commence, elle met ici, elle commence. She's there. Les huissiers, tu vois. Oh, the usher. La femme du huissier là. Oh, the wife of the usher. Bon, on prêche. Hein? You know they're preaching now, sir. Il ne faut pas parler mal. Hein? You don't have to talk bad about it. Je, bon, ça va. But cette église. Bon, ça va. Okay, it's okay. Même l'autre là. Even at the other one. Je vous dis que I'm telling you that vous êtes dans une mauvaise influence, mon fils ou ma fille. You are in a bad influence, my daughter. Et prenez bon courage de corriger même votre maman. Take courage to even correct your own mother. Moi, j'ai vu des enfants qui étaient leur mère. I've seen children. Paraissait ce qu'elles étaient. Elles ne pouvaient même pas partir à l'église. Because they could not even go to chauffeur Non, la maison sera une maison bénie. You notice that if you are around a mother or father with a good influence, a house. Then you prove une bonne femme. Oh, whosoever find a good wife, prove une bonne chose. Let's find a wonderful and good thing. C'est un don de Dieu. It is a gift of God. Les bonnes femmes ne sont pas faciles. Hein? Good wives are not easy. C'est pourquoi la Bible dit que c'est un don. That's why the Bible says it's une bonne femme. A good wife. You are with a wife that you feel like I cannot leave her alone. I have to face her. Talk with her as friends. It's not easy thing. Ce n'est pas facile. It's not an easy thing. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. C'est un don que Dieu vous a donné. It is a gift that God has given. Respectez cette. Respect that mother. Honore-la. You have to honor her. Because it's a gift that God has given Alleluia. You. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Pour le Saint-Esprit. For the Holy Spirit. Nous devons parler de petites choses en fait de vous aider. We have to talk even the little things. Parce que s'il y a des difficultés dans la maison. Because if there is a difficulty. Il y aura des difficultés. Dans toute la famille. There will be difficulties. Et il y aura des difficultés même dans le travail que and vous. There will be difficulty even at work. Parce que vous n'êtes pas unis. Because you are not united. Nous sommes les semeurs. We are sowers. Nous sommes avec nos actes. We sowing with our deed. Donc c'est que vous semez.
or whatever you sow, c'est ce que vous allez récolter. That's what you will harvest. Si vous êtes un dans la famille, if you are alone in the family, Brother Branham said, même si vous faites une petite chose, Dieu sera derrière cela. Il va vous bénir. If you do a little thing, God is behind that and He will bless you. Écoutez-moi bien. Listen to si me. Si vous voulez progresser, if you want to progress, soyez un avec votre femme. Just be one with your wife. Que la femme soit un avec vous. Let the woman be one. Vous verrez comment vous allez progresser. You will see how you progress. Mais laissez-moi. D'abord lire. Let me read. Prenons Jérémie. Let us take Jeremiah. C'est très important. It is very important. Vous devez semer. You have to sow. La Bible dit. The Bible quand says. Quand vous semez au bord de la mer. When you sow alongside the water. Vous avez là-bas il y a de la fertilité. It means it's a fertile. Vous avez de bons résultats. You have a good result. Lisons d'abord Jérémie et on va. Let us first read Jeremiah and then we'll jump to. Est-ce qu'on a déjà lu Osée? On va lire Osée. And then we will read. Pour vous nous mettre en ligne. So that we will be prophetic. Aujourd'hui je ne suis pas. Je ne peux pas vous prendre longtemps parce que j'ai quelque chose à parler à la fin ici. Today I'm not going to take you long because I've got something to talk at the end. Okay. Jeremiah chapter 4. We go to Jeremiah chapter 4. Chapter 4. Chapter 4. Verse 3. And we start from the verse 3. Écoutez. For thus says the Lord to the men of Judah and Jerusalem, break up your former grounds. And so not among thrones. Alors, ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Ok. Circumcise yourselves to the Lord. Remove the foreskin of your hearts, all men of Juda and inhabitants of Jerusalem, lest my wrath go forth like a fire and burn with none to quench it because of the evil of your deeds. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Que Dieu vous bénisse. Et God bless you. Est-ce que vous suivez très bien? Did you follow? Donc, ça c'est un avertissement que Dieu est en train d'avertir les gens des habitants de Juda. This is a warning. God is busy warning the inhabitant of Judah. Sachez bien comment semer. Know very well. Ne semez pas dans un champ d'épines. Don't ever sow in a. Mais semez dans un champ fertile. But sow in a good ground. Soyez circoncis. Oh, circoncise your. Donc recevez le Saint-Esprit. Receive the Holy Ghost. Parce que le Saint-Esprit vous ordonne. Because the Holy Ghost is le Saint-Esprit vous discipline. The Holy Ghost discipline. Le Saint-Esprit vous dira ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Will tell you what to do and what not to do. Que Dieu vous bénisse richement. Sinon la colère de Dieu s'enflammera. Otherwise the wrath of God will come as a fire. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Osée. Let us go to the book of Hosea. Ok, Osée chapitre 10. Chapter 10. Verset 12. Verse 12. Écoutez.
Vous savez, parce que c'est après seulement Jérémie que vous avancez un tout petit peu. Devant un tout petit peu. Après Jérémie. So for yourselves, righteousness, reap steadfast love, break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that the may come and rain righteousness upon you. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous la justice. I repeat. Je répète. Sow for yourselves righteousness, reap steadfast love. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Okay. Break up your fallow ground. For it is the time to seek the Lord. Défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel. Ok. Donc vous, c'est à vous. Donc on vous oblige de semer la justice. It is unto you, you are obligated to sow the righteousness. Vous devez semer la justice, c'est-à-dire que vous allez moissonner. L'amour, vous allez moissonner. La bonté, vous allez moissonner. Le fruit de l'esprit. That's how you're going to harvest the goodness, the love, and the fruit of the Holy Ghost. Très important. Very important. C'est pourquoi dans Ecclésiaste. That's why in Ecclésiaste. Il est dit. It is said. Que jetez votre pain sur la face de l'eau. Cast your bread upon the water. Ça c'est. Donc, Frère Branham dit, Brother Branham says, c'est comme un cultivateur. It is as a farmer. Vous savez qu'un cultivateur, s'il y a des gens qui sont patients dans le monde, you know, if there is people who are so patient, le fruit de patience, the fruit of patience, est en train de germer réellement. It is coming. C'est dans les cultivateurs. It is in the farmers. Un cultivateur, il vous prend 3 mois d'abord. A farmer will take you 3 months. Avant 3 mois, il doit d'abord commencer à cultiver. Before 3 months, he has to labor. Il a ça où? Il commence. His instrument and he starts. Il commence à faire les donc. Les plates-bandes. He starts to work on the ground. Et il fait les plates-bandes. And he first fix the ground. Il fait les sillons, il termine. And then after finish with the ground. Il commence à semer. Then he starts to sow. Il prend la semence, il met. He takes the seed and he sows. Il met dans he le sol. The il seed met dans la ground. Il sans espoir. Without any hope. Quand vous regardez là où il est en train de semer. When you look at the ground where he sows the seed. Donc, des fois c'est la poussière qui monte. Sometimes it just dust. Mais il te dit que. But he tells you. J'attends. I'm waiting. La récolte. The harvest time. Comment tu peux attendre la récolte dans la poussière? How can you wait for harvest? Donc ils sont tellement patients. They are so patient. Mais ils s'aiment avec assurance. But they sow with assurance. Un mois après. A month later. Un mois après. Et donc un mois et demi. A mountain of il commence à sacler. He start now to fix il the fruit. Il sacle sans voir le fruit. Without a vision of quelle the fruit. Quelle espérance. Quelle patience. What a patience. What a hope. Mais ce n'est pas le cas avec les commerçants. But it's not the same with the businessmen. Un commerçant lui fait
payer ici, a businessman want to buy il va ici, and he goes around il reçoit le bénéfice. And he get donc lui chaque fois il ne veut pas l'argent. Every time he need mais to elle se but a soul, et tu vas dire, a father, il n'a pas besoin d'argent. He has no need of money. A une vision, il a une vision vraiment très loin. He's got a further vision. Il voit loin. He sees further. Que Dieu vous bénisse. God bless you richly. Même pendant les trois mois ici. But during these 3 months, il souffre. And he's suffering. Are you following me? While he's for six months, he only takes his food to go il to work. He only spending. A month, 2 months, 3 months, 3 months, 4th month, la récolte. Oh, the harvest. Et cette récolte là. And then. C'est pas dire qu'il va venir dans le champ, il se tient comme ça, il dit allez. He goes into farm field. He says, he starts to work again. Il fait la récolte, il récolte. He starts harvesting. Il prend une main. And then he brings quelque part. And he stores. C'est pas fini. It's not the end. Pour utiliser ça, il faut encore dégrainer. To use that, he has to labor again. Est-ce que l'église m'a suivi? Is the church following me? Et la Bible. And the Bible. Nous identify us to the family. Brother Branham says, à cause de ça, because of this, notice well, Dieu n'a jamais utilisé des hommes d'affaires. God never used businessmen. Il n'a jamais utilisé les hommes d'affaires. God never used businessmen. Dieu a toujours utilisé les bergers. God always used the shepherds. Parce qu'un berger aussi, il a donc un caractère. Because a shepherd has a character. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'a pas le caractère. God can never use somebody without a character. Parce que celui-ci, because this one, il est patient. He is patient. Aujourd'hui, today, il peut commencer avec une brebis. He may start with just one sheep. Une petite brebis. A small sheep. Et and tomorrow, le lendemain, the next day, après, the following une année, year, il ne fait que nourrir. He said he feed that one single sheep. Après une année, after a year, il accouple la brebis. La brebis conçoit. And then the sheep is petit à petit. And little by little, jusqu'à ce qu'il commencera à recevoir quelque chose de la part de cette brebis. After how long of suffering? C'est pourquoi le prophète est allé voir un roi. That's why a prophet went to see a king. Un roi qui avait pris la femme d'une autre personne. A king who took somebody's wife. Et il va là-bas. And he went there. Il lui regarde. And he looked at the king. Il commence à lui donner donc le proverbe. And he start to give him vous connaissez ce roi là? You know that king? Hein? Vous dormez? Non, are you dormant? Vous connaissez ce roi là? You know that king? C'est qui? David. Quelqu'un qui gardait sa brebis très bien. Somebody who was looking after his sheep. Qui faisait des entretiens. Who was taking? Mais un autre. But someone else. Anthony. Just visant toujours cette brebis là. Watching and focusing on that. Maybe he had beaucoup de bêtes. He who had a lot of. Ah, David a dit non, ce n'est pas possible. Parce que David connaissait, il était un berger. Because David knew he il was, connaît la souffrance. He knew de garder une bête jusqu'à atteindre le niveau. To raise up a de produire, ce n'est pas facile. To get her to the David a dit non, celui-là. David said, that one, we have to kill him. We have to kill him. And he is not worthy. A prophet looks and says, cet homme-là, c'est toi. That man is you. Et David est tombé. And David fell down. En train de pleurer. Parce qu'il connaît la souffrance. Because he knew the suffering. Et c'est pourquoi Dieu, and that's why God ne faisait que prendre les cultivateurs, was only using the farmers, les shepherds, les éleveurs, les bergers, les shepherds. C'est ainsi que Dieu est vrai puissamment sur eux. That's how God. Même les prophètes étaient toujours les gens de la brousse. Even the prophets were people of the wilderness. C'est pour nos frères Branham dit. That's what Brother Branham said. Aux hommes d'affaires. To the businessmen. Vous les hommes d'affaires. You businessmen. Laissez la place.
house. Left the place. Oh, serviteur. Leave the prophet to the. Écoutez-moi maintenant. God, listen to me now. D'abord, terminons avec les prophètes. Let us first finish with the prophet. Je commence à atterrir. C'est très très capital. It is very important. Alors, suivez-moi très bien. Follow me carefully. Je vais terminer. Je vous ai dit que je ne serai pas long. Je ne voulais pas prêcher, mais I didn't want to preach, but I'm in an obligation to do so. Prenons. Pourquoi les gens sont si ballottés ça? Let us take the same one. Why people are so tossed up? Paragraphe. On sait prêcher quelle date? Pourquoi les gens sont si ballottés celle-là? Why men are so toasted up and down? Se prêcher les 1956 October 1st. Je prends le paragraphe big problem. Je n'ai pas noté le paragraphe, ça c'est quoi ça? Attendez, je vais chercher. J'ai l'oreille. Bear with me. Je vais la voir. Ok. Je suis déjà là. Okay. Paragraphe 63. Paragraphe 63. Écoutez. Listen. Si. Cast your bread upon the water. Jette ton pain sur les surfaces des eaux. It will return to you someday. Et ça retournera vers toi un jour. Un jour. God bless you. Que Dieu vous bénisse. So the right seed, you will reap the right crop. Semez de bonnes semences et vous récolterez aussi de bonnes semences. If you sow the wrong seed, si vous semez de mauvaise, you will reap the wrong thing. Et vous allez récolter aussi la mauvaise chose. You can't go east and west at the same time. Tu ne peux pas partir à l'est et à l'ouest en même temps. Ah, que Dieu vous bénisse. And God bless you. You're either going one way or the other. Tu pars soit d'une destination ou de l'autre. You're either pointed towards God this morning. Tu vas vers Dieu ce matin. With all you got. Avec tout ce que tu as. Looking to Him. Regardant juste à lui. Or you pointed the other way. Ou soit tu es en train de pointer d'une autre direction. Or whether you are, unless you follow something else. Nous servirons l'Éternel. Me and my household, we shall serve. C'est Brother Branham says. Écoutez bien. Listen carefully. Je veux que vous saisissiez la chose. I want you to catch the thing. Il commence à interpréter l'Écriture de jeter le pain sur l'eau. He started interpreting the scripture that said, cast your bread upon the water. Et ça te reviendra un jour. And it will come back to you one day. Quand tu vous investissez pour Dieu. When you invest for God, vous aurez des récompenses. You will have your reward. Badada, est-ce que mon enchiqui? Sisters, do you? Est-ce que vous me saisissez? Do you follow me? When you are, quand vous faites quelque chose pour le Seigneur. When you do something. C'est pourquoi je vous disais l'évangile que vous faites. You did monte and down, chaque jour and vous êtes là, vous faites. Ne pensez pas que vous perdez le don't temps. You ever think that you're wasting your time? Amen. Vous êtes en train de you are investir quelque part. Investing somewhere. Un jour, one of these vous récolterez. You shall reap. Ce que vous êtes en train de semer. What you've actually sown. On peut se moquer de vous. People may mock about you. On peut dire n'importe quoi sur people vous. May say whatever they mais want. Sachez bien que but know very well un jour one day, la souffrance changera en joie. The suffering shall be changed in joy. Parce que because celui que nous adorons, the one that we celui are que with, nous suivons, the one that we are following, il n'est pas mort. He is not dead. Il est vivant. He is alive. Il y a des prophètes. There
more than the prophet. C'est pourquoi on l'appelle, il est plus que le prophète. The prophet is more than the prophet. Comme il a pris votre place. And he took your place. C'est-à-dire vous avez fait l'échange. It means you've exchanged. Votre faiblesse. Your weaknesses. Est devenue sa faiblesse. Has become his weakness. Mais sa force à lui. But his strength. Has become your strength. Votre fidélité. Your faithfulness. Ce n'est pas la vôtre. It's not yours. C'est sa fidélité. Vous avez fait l'échange. Vous avez fait l'échange. You've exchanged. Vous allez vous réjouir. You shall rejoice. C'est pourquoi il a promis. That's why he has promised. Nos pleurs changeront en joie. Our weeping will change into joy. Aujourd'hui, today, on peut avoir les secousses. We may. Aujourd'hui, on peut avoir des difficultés. Today we may. Aujourd'hui, on peut avoir. Today we may see whatever we see. Travaillons fortement pour le Seigneur. Let's work hard for the Lord. Ce que nous sommes, who ce n'est pas ce que nous serons. It's not who we will be. Il y a un voile devant nous. There is a veil in front qui of us. Nous a voilé. That has veiled us. Pour voir ce que nous serons. In order to see what we will be. Parce que ce que nous serons. Because what we will ce n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. It's not what we are today. Mais but one of these days, Dieu vous bénisse. May God bless you. That's what Brother Branham said. Vous ne pouvez pas clocher ça et là. You cannot wander there near. Même si vous ne voyez rien. Even though you see nothing. Soyez tranquille. Just be calm. Quel épée que vous avez jeté sur la mer. The bread that you. Un jour. Water, one of these vous days, allez le retrouver devant vous. Find it in front of you. Maybe there's no reaction today. You may ask yourself, why did I do this? Why have I done this? I've seen no change. Oh, it's been a long time. Well, don't you worry. Because when God responds or responds to them, it will cause you to forget all the suffering. He loses nothing for the Lord. Dieu vous bénisse. May God bless you. Même quand vous donnez l'argent. Even when you give. Même money, quand vous donnez votre suie. Even when you give parce your suie. Le fait que vous montez et vous descendez. Because the fact that you. Vous êtes en train de dépenser votre suie. You are spending your. Vous dépensez vos essences. You spend your fuel. Vous dépensez partout donc ça et là. And you going up. Vous dépensez ceci, vous dépensez cela. You're spending. Mais sachez bien. No very well. The master that we are following. Il n'est pas stérile. He is not a il n'est pas impuissant. He is not a barrier. Il est fort. He is mighty. On l'appelle. They call him tout puissant. Almighty. Et comme il est tout puissant. Because he is almighty. Nos pleurs changeront. Our world will be changing joy. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you together? C'est pourquoi seulement des bonnes choses. And that's why we must sow the good things, the bons actes, the good deeds, the bons influences, the good influences. N'influencez pas un frère à quitter la parole. Don't you ever influence a brother to leave the world? N'influencez pas une sœur à sortir de la parole. Don't you influence a sister to leave the world? Influencez chacun d'entre nous. Influence each and every one of us dans la parole. In the world, que nous suivons la parole. So that we may follow the word. Que nous fassions ce que la parole nous exige. So that we may do what the word obliges to do. Même si cela est difficile. Even though that is might be difficult. Même si cela semble compliqué. Even if it seems moi, j'ai toujours dit ceci. I've always said this. La chose qui semble compliquée. C'est nous qui voyons compliqué. Only us will see it. Mais Dieu ne voit aucune chose compliquée. But God sees nothing complicated. Tout ce qui est compliqué devant nous, c'est facile devant Dieu. Whatever is so complicated to us, it's so easy to God. Est-ce que vous voyez vous la chose? Do you see the thing? Est-ce que vous voyez la chose? Do you see the thing? Surtout les sœurs, je m'intéresse à vous parce que c'est vous qui êtes le thermomètre de l'église. Especially sisters, I'm actually focusing on you as ne you soyez pas distrait, suivez bien la parole. Don't be distracted, but follow the word of God. Écoutez bien. Listen carefully. Tout ce que vous faites aujourd'hui pour le Seigneur. Whatsoever you do today for the Lord. Dieu vous récompensera. God will reward you. Imaginez-vous. Imagine. Quand on construisait les temples dans l'Ancien Testament. When they were building the temple in the Old Testament. Le premier temple.
The first temple. Les anciens. The elders ont souffert. They suffered. Pour construire le temple, c'était pas facile. To build the temple, it was not easy. Ils étaient en train de se forcer. They were forcing themselves. Des travaux difficiles. They were doing a hard work. Quand les anciens ont vu, when the elders have, les jeunes en train maintenant de se taper la poitrine pour construire le deuxième temple. When the elders saw the youngster was chasing the, les jeunes ont commencé à regarder the second temple. En train de regretter. The elders started regretting. Looking at the youth, they were saying, "Is this youth gonna really succeed?" Et qu'est-ce que les vieux disaient? And what were the elders saying? Les vieux en train de pleurer. C'était pas de pleurs réellement. They were crying. It was des soucis. They were crying out. Mais ils ne pleuraient parce qu'ils savaient que. They were crying because they knew la construction est difficile. The construction of mais ces jeunes ici. But these youth. La manière dont ils s'étapent la poitrine. Est-ce qu'ils vont réussir? They chase, will they succeed? Ils étaient là en train de pleurer, les larmes coulaient. They were crying with tears. But Josué, Joshua, Dieu lui avait suscité à dessein. God pour construire le temple de Dieu. To rebuild the temple. Ils étaient forts. They were mighty. Et ils construisaient dans les acclamations. And they were building in applause. Les anciens pleuraient. While the elders were crying, will they ever succeed? People may say, But because it's a work of God, God will take care of us. Is the church following? And now listen. The glory of the second temple will be much more than the first temple. While the elders were crying, signs of mocking what people were doing. Mais Dieu du ciel, but God of heaven afin que la gloire du deuxième temple has made in such a way that the glory of the second temple was much more than que the Dieu vous bénisse richement. God bless you richly. C'est pourquoi écoutez bien. That's why listen. Il y a de la bénédiction en soutenant l'œuvre de Dieu. There is blessing in supporting the work of God. Que de soutenir autre chose. Than to support something else. Or supporting your family. Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. Je vous ai toujours dit ça. I've always tell you this. Put God first everything. Mais Dieu premièrement tout. And God will bless you. Et Dieu te bénira. When you put your family before God. Quand tu places ta famille devant Dieu. Votre famille c'est elle qui vous bénira. Your family is the one that's going to bless you. Amen. 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 C'est ça. It's simple as that. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Mais quand vous mettez Dieu en première position, but when you put God in first, je vous dis que Dieu ne vous laissera jamais. God will never leave you. Et il n'a jamais fait une telle chose. And he never done such a thing. Brother Branham says, même dans la souffrance, even in the middle of comme j'étais fidèle à Dieu, because I was so faithful to God, I was taking my time. Imagine Brother Branham was giving a tithing of 90% until God came and corrected. What type of love Brother Branham had toward God? Vous comprenez 90%? Do you understand 90%? C'est-à-dire, it means vous recevez 10,000. You receive 10,000. 10,000 rand. 10,000 rand. Pour Frère Branham, comme il aimait tellement Dieu. For Brother Branham, as he loved so much God. 9,000. He was taking 9,000. Il le va et le donne à Dieu. And he gave that. Il reste avec. And he remained with 1,000. 1,000 rand. Just 1,000. Est-ce que vous pouvez comprendre cet amour? Do you? Can you really understand such love? Moi et ma maison. Tout ce que j'ai.
C'est pourquoi je le disais ici. Même le travail que vous faites, ce n'est pas votre travail. Dieu est là-dedans. C'est le travail de Dieu. Vous êtes un associé de Dieu. Avant de faire n'importe quoi, même payer une dette, associé d'abord Dieu, c'est votre associé. Si vous êtes dans une association, if you are in a partnership, et vous voulez faire quelque chose, and you want to do something, vous ne pouvez pas vous décider vous-même. You can't decide on your own. Vous devez appeler votre associé. You have to call your partner. Je voulais prendre cet argent pour faire ça. I wanted to take this money and do this. What you said. Là, okay, ça va. And your partner will tell you it's okay. Go ahead. Then you do it both of you. C'est comme ça avec Dieu. That is how it is. Il est notre associé. He is our partner. Dès que je veux payer. As soon as I want to pay a debt, I tell you my partner, I want to pay. You work together. C'est alors que vous verrez la main de Dieu. The Pentecostals. Moi, je vis les gens de Zambé. I've seen people of Zambé. Comme ils sont tellement versés dans le. Le faire pas. Because they're so deep into such matter. Je voulais que I'm telling you that je le voyais comment Dieu le bénissait même en vivotant. I could see how God was blessing them even if they were doing evil things. Commettant adultère, faisant ceci, mais they were committing adultery and so forth. Cette écriture là, Dieu le bénissait. Alléluia. Grâce à cette écriture, God could bless them based on their scripture. Je vais donc vous faire entrer profondément. I want you to get deep in this. Chaque écriture, each and every scripture, que nous appliquons, that we apply, has a blessing. Venir à l'église chaque jour, coming to church every day, il y a une bénédiction en ça. There is a blessing in doing so. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, the one who persevere, aura la vie éternelle. Même si tu n'as pas la vie éternelle. Aujourd'hui, soyez tranquille. Tu es en train de vivre une écriture. Tu es en train de vivre une écriture. Maintenant, pour les bénédictions matérielles, for a material blessing, vous, you, c'est la dîme. It is paying your tithe. Moi, je lis ici dans. That's what I've read here in the book. A guy. In the book of Haggai, Agen. Dans Agen, in the book of Haggai, la Bible dit, the Bible says, si vous ne vous souviendrez pas de la maison de Dieu, if you don't remember the house of God, vous laissez la maison de Dieu dans une difficulté. You leave the dans la ruine, in a difficulty, in a ruin. Vous êtes tranquille. You are at ease. Et le Dieu va, c'est le prophète qui disait. It is the Dieu va susciter. God will rise up la sécheresse, the dryness, comme ils étaient cultivateurs, as they were farmers. Dieu va envoyer donc le vent, God will send wind, pour souffler toutes les choses. The wind will blow. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé la maison. Why? Because they neglected the house of God. Maintenant, now, au contrairement à ça, or otherwise, si vous ne négligez pas la maison de Dieu, c'est-à-dire, si vous mettez Dieu en première position, God first, vous marchez dans votre tête, c'est toujours Dieu. In your head, avant de faire God quoi, is not doing anything. God first. Mon Dieu, God je vais le faire. I have to do this for God. Dieu voit l'intérieur, non? God sees the inner. Je vous dis comme vous avez ces soucis. I'm telling you, un jour, one day, ça va exploser. It will explode. Que Dieu vous bénisse. God bless you. C'est très clair. It is clear and simple. C'est très clair. It is clear. Vous n'avez pas à vous casser les nerfs. You don't have to. So, donc je voulais dire quoi? Pull your hair and say this and that. What do I quand mean? Je méditais la nuit là, when I was meditating at night, quelque chose m'a frappé. Something struck me. Et comme je déjà de prophétie qu'on m'a déjà envoyé, je disais que peut-être c'est. As I have a prophecy, c'est prophecy, là. Prophecy that was sent to me, I was maybe wondering. Je voyais cet tabernacle comment
vous pouvez être béni. À côté si sainteté tabernacle, how you can. Vous êtes privilégié. You are privileged one. Nous ne sommes pas seulement limités sur la connaissance. We are not just limited on. Mais nous nous allons jusqu'à. But we go. Entrer dans la gloire. Entering into glory. Est-ce que vous comprenez la gloire? Do you understand? Nous sortons avec une réalité. We coming out with the reality. Je veux dire quoi? What do I have? Regardez to say? Moïse. Look at Moses. Il y avait Corée. There was Moïse. There was Moses as well. Corée était versé. Corée was just in the word. Il était, in the knowledge. Il avait donc le bagage. He had a full package. Corée prêchait très bien. Brother Brown says Corée could preach well. He knew very well the scriptures. Quand il parlait, when he was talking, même son langage était raffiné. Even his language was so perfect. Mais la seule chose, but the only thing, Corée n'entrait pas dans la gloire. Corée could not pour y sortir avec quelque chose. To come out with. Mais Moïse lui, but Moses entrait dans la gloire. Could enter in the glory. Il son visage était changé. He comes out with a change. Et après cela, and after that, il avançait devant le peuple avec la loi. He would go in front of people with the law. La loi dit. The law said. Dieu a dit. God has said. Dieu a dit. God said. Et après quoi? Après quand? C'est après avoir sorti dans la présence de Dieu. Et son visage était changé. The presence of God and His presence. And Brother Branham says. A lot of preachers are behind. Sans avoir entré dans la gloire de Dieu. Without having entered into the glory of God. And come out with something. C'est pourquoi. That's why. Ils se sont limités sur les écritures. They have just limited themselves upon the scriptures. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Frère Branham a dit. Brother Branham said. Brother Branham said. Frère Branham a dit. Brother Branham said. Il avait fait. He has done. Il était quelque part. He was somewhere. Tout ça c'est bien. All this is good. Mais écoutez. But listen. Il faut le faire sortir de l'histoire. Il était le Dieu de Branham. He was God of Branham. Et nous nous sommes donc les fils de Branham. We are sons of Branham. Nous sommes la descendance de Branham. We are offspring of Branham. Il faut qu'on voie quand même les intentions. We have to see something. Amen. Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. Un petit chat. Chat. Oh, a little puppy of a gate. C'est un chat. Right. It's a gate. Vous voyez? You see? Even the way of moving or doing. Il est encore petit. He's still a little small puppy. Quand il saute, when it jumps, il est tellement souple comme sa mère. And he's so precious like his mother. Who have taught him that? La chose est en lui. The thing is inside of him. Un petit lion. It's a lioness. C'est un lion. It's a lion. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Do you follow me? Comment? Les choses sont toujours en lui. Things are in him. Vous verrez que il est dans la brousse en train de jouer. You will see, il est petit. Goodness. Il peut jouer dans oh, le sol. He can jump. Mais dès qu'il voit quoi? Donc une bête passer. But as soon as he see a prey, chacal ou quoi? Or it could be any prey. Vous verrez, il change la position. You will see he change. Qui a appris ça? Who has taught him that? Les choses sont en lui. Things are inside. Il est déjà un lion. He is already a lion. Comment il commencera? You will see how he will start. Ramper. Tout ça c'est quoi? All this way. Les choses sont en lui. The thing is inside. Nous sommes les fils des prophètes. We are the sons of the prophets. La Bible. The Bible says, nous sommes les enfants et les fils des prophètes. We are children of the prophets. Mais il faut ce qui était en lui là. But we need what is in him quand même. To be reflected. Est-ce que l'église est avec moi? Is the church with me? Qui est quand même, même des intercèdes. We may even see something. Les aveugles voient. Oh, the blind could see. Les muets parlent. Oh, the sisters are talking. Voilà, c'est ça. That is the est-ce thing. Que l'église est avec is moi? The church with me? Nous entrons dans la gloire.
gloire, nous sortons avec la guerre, donc avec quelque chose, et nous allons de l'avant. And we move forward. C'est pourquoi dans cette prière de Saint-Esprit, that's why in this prayer of the Holy Spirit, nous voulons le faire sortir de l'histoire. We want to pull him out of history. Vous disiez ici, oh, c'est seulement avec le pasteur. You were saying, yeah, it's only with the pastor. On ne voit pas même des visions. We don't even have vision. It's only him. You've seen it. Vous commencez à voir ça. You are starting to see. Oh, qui vous a donné ça? Who have given you that? Je riais quand mon fils Josué. I was laughing when my son Joshua. Oh, je ne vois pas de vision. Oh, I don't see vision. But when I enter, j'étais dans le bureau. I was in the office. I just see. Tu as vu comment toi tu étais assis? How did you see you were sitting? C'est pour vous dire que. It is to tell you. Je ne cesse pas, je ne cesse même pas. I'm not stopping. De vous dire que. To tell you. Comme la chose est au milieu de vous. Because the thing is. Ça va vous parvenir. It will happen to you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Les sœurs qui ne voyaient rien. Les sœurs qui ne voyaient rien. Brothers could see nothing. N'est-ce pas aujourd'hui? Oh, j'étais assis. J'étais comme si. Oh, I was sitting. As if somebody came. Je pose la question, est-ce que tu voyais ça? Non, mais c'est ma première fois, je ne comprends pas. C'est comme ça la marche de l'église. Aujourd'hui c'est l'autre. Today c'est celle-là. Le lendemain c'est l'autre. Mais je me pose beaucoup de questions. Mais celles de Saint-Étienne-Tabernacle se sont lourdes. Les sisters de Saint-Étienne-Tabernacle sont heavy. Mais ne bougez tout pas, maman, on dit que là. They are so heavy. What's wrong with you? Because the Lord Jesus, those who arrived in him were just sisters. Those who have received the salvation first was women. William Marion Branham. Notice where he was in the discernment. He was just present. The sister. You are seeing in a discernment. 85% was the sister. Sisters are always present. Leur esprit est tellement souple. Their spirit is so mais je me demande comment. But I'm asking myself, les sisters of Saint Etienne, c'est quoi? What is the problem? Or is it talking too much? Or is it despising or talking too much? Or people's business too much of that? Or is it a dress code? We don't want a man here. It's not us, it's Abraham. Abraham says this comes from God. When he went to visit God, that's when he saw the man here. But Saint Etienne, sisters are sisters. They only went here. Oh, tell me. How will God help you? They refuse the high heel, you coming in jumping. Leave them. It comes from hell. Don't. It will lead you to hell. I was telling her, you come to church as a bird. Stand well, you can't manage. That's what God. It's a dirty stuff. It's from hell. And then they say, come and consecrate the child. We are all watching you. Sister, walk, come, let's consecrate the baby. And stand well, you start shaking. I want to say you're going to derange. Don't you see that it's disturbing? Leave those stuff, throw it away. If you want to sell them or give them, where would you find somebody to buy such a high heel? Leave it for the sake of the Lord. And you brother.
Regardez comment, comment. Il y a son français, lui. Look the way you appear. When you are in the car, you sit at home. Even if the woman is taking over. the brother, the sister has taken over already. You leave your wife with such a high heel jumping. If my wife dressed such a way, I won't even feel ease to present to her, this is my wife. When you dress like that, Joe, oh, is that the pastor's wife? Isn't that what Brother Brown condemned? We have to be men. Come on, Pastor Preach. When my pastor preaches, I go back home. It's over. We don't have 50-50. Donc les concitoyens d'ici bas. We are not citizens. Notre cité est quelque part. Nous retournons à la maison. We go back home. We say. On a pas ta voix à Sami Gabriel. When you have a name like me, Gabriel. Nous venons d'attendre les bébés. I will just go and fetch it. Allez, venez bichon. Viens, venez bichon. Tout pour mon bim. Na ima droit. Na ima bim. Na ima bousouli. Ma ne bim. Ma na sana bim. Travailler mal à moi. Even your nice bim. Je ne te pas mon doigt bichon. I will throw it and come and tell you your stuff is already outside. May God bless you. You may stand up. C'est mort de bonnes choses. Let us sow the good things pour récolter de bonnes choses. In order to harvest a good thing. Let us sow the life of Christ pour récolter la vie de Christ. In order to harvest the life of Christ. Sémons la patience. Let us sow the patience. Un jour, one day, c'est que nous souffrons ici. All this suffering. Écoutez, listen. Même si la chose est difficile, je vous amène à réclamer la chose. Even though the thing seems to be difficult, but I'm pushing you to because of you, you may serve a lot of people. Parce que tu es dans la chose, because you are in the thing, tu peux changer la situation. You can change the par situation la prière, just by prayer, par la réclamation, by claiming it. Let us bow our heads. Papa, retourne la chanson là. Jésus, nous sommes ici. Nous sommes ici pour lui. Hein? We are here for him. Nous sommes ici pour Dieu. We are here for God. Nous sommes ici. Jésus, nous sommes. Jésus, 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 Jésus,
Je ne croyais pas et je ne savais pas que je devrais me délivrer de ce sujet. Amen. Amen.